La fausseté. Oh, t'as un problème portugais là? Putain, portugais, t'as un problème toi? Et toi, espèce de tos? Et toi, espèce de tos sous soude? Non, c'est bon. Fais gaffe. Vos papiers, s'il vous plaît, vos papiers, s'il vous plaît. Tiens, voilà 50 euros, merci. Et moi, pourquoi pas 50 euros? 20. Ça sent bon, là, ça sent bon. Non mais là c'est des pros ici. Ah, ça règle pas là. Ah non, non, là c'est des pros de chez moi. J'ai une bonne squash. On voit ce nom déjà. Raymond Squash. Peux-tu présenter ton stand s'il te plaît? Oui. Alors on est donc un collectif. Une association qui est chargée de la promotion de jeunes auteurs de fantasy. Oui. Donc là on est avec une des maisons d'édition qui édite donc les travaux des jeunes auteurs et des jeunes illustrateurs de notre association. Oui. Et puis sinon donc tous les deux mois on édite un journal gratuit en distribution sur les salons. Mm-hmm. Et gratuitement sur le net en PDF. Peux-tu rappeler l'adresse de ton site? www.fanfantasy.fr. Est-ce que tu connais le site coucoucircus.org? Le site coucoucircus.org? Non. Donc c'est un site pour écouter les génériques de séries télé, de tournois français aujourd'hui, des animés. D'accord. Voilà, c'est ce que je distribue en autocollant. Donc un message à des amis, à des fans. Coucou maman. Ok, bonjour. Bonne convention, merci. Bonjour. Bonjour. Je vois qu'on a faim. Ah très, ouais. Faut manger ce matin. En plus, c'est pas cher. En plus, oui, c'est vrai. Bien des manger, bien des... Bonjour. Donc, je vois que tout le monde fait la pub pour manger. Bon appétit. Bon courage. Bonjour. Ah, toujours en train de filmer, hein. Peux-tu présenter l'Hydrax, s'il te plaît? Oh mon dieu. Alors l'Hydrax c'est une école de commerce, donc il y a différents programmes. Donc ouais. Nous en tout cas qui réalisons ce projet associatif, ouais. Donc on est en MME2, donc marketing et management européen. Yo. En deuxième année. Donc l'année dernière aussi on a réalisé un projet associatif. On a fait une production semi-privée, donc semi-publique comme tu veux, dans un cinéma donc, de Paris à côté du Panthéon. On avait projeté deux lives de Death Note. Wow. Et donc bah, cette année, donc avec le groupe donc, de Kevin et Anne-Charlotte, Anaïs et Laure, on a choisi donc, d'organiser une convention mettant les fanzines à l'honneur. Donc voilà, donc on occupe tout le niveau 100 de l'école, sachant qu'il y a 3 niveaux, 4. Donc en gros, si ça tout se passe bien, ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir, bah normalement on espère déjà au moins réaliser. Non, ça marche super. IFF c'est fun. Voilà, on fait la première IFF. Donc là, on voit. Il y a de la boue, ça sent bon. C'est bon, juste à côté de la café, normal. Oui. Donc voilà, après on en réalisera d'autres, là, normal. Avec les super gros partenariats, et puis t'animes, après au niveau des professionnels, Kazé, Biz Entertainment, et puis surtout aussi le Manga Café et Manga Toys. Donc au niveau des partenaires, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc l'adresse de l'Hydrac 711 avenue des Chasseurs, 17e arrondissement de Paris. Internet http://www.iff2009.spaces.live.com. Sinon, on a aussi un event sur Facebook. Ouais. Et donc voilà, là, l'adresse c'était le blog. Okay. Donc voilà, on a aussi normalement des vidéos qui seront sur Dailymotion. Ouais. Et sinon, sur tous nos partenaires, tout ce qui est fanzine et association, normalement il y a un lien un peu au niveau des sites web.
Donc là, ta vidéo, ça saute de YouTube et sur Prosecus.org. Ah, mais y'a pas de soucis, merci beaucoup. Donc, un message à tes fans et des amis, aux futurs étudiants de... Futurs étudiants, bah, surtout, venez, n'hésitez pas à venir découvrir l'école, avant tout, et surtout, bah, vous faire plaisir. C'est ça, vous venez, vous découvrez l'école, vous faites plaisir. Il y a du fanzine, il y a des associations, il y a des jeux vidéo, il y a du karaoké, il y a tout ce qu'il faut pour vous amuser toute la journée. Donc voilà, au moins, vous savez ce que c'est comme événement. Et voilà, vous venez et faites-vous plaisir, quoi. Merci bien. Je vous en prie. L'association Kajian. On s'occupe de promouvoir la culture asiate au niveau de audiovisuel, dessin, voyage et tout ça. Enfin, on regroupe un peu tout. On a commencé avec les activités drama dans les conventions. On a commencé aussi des activités autour du cosplay, création de goodies, création de... Enfin, on a fait des petites oreilles de chat. Ah, c'est mignon, c'est très kawaii ça. Ouais, c'est vachement bien, c'est vachement kawaii. Ouais. Et là, aujourd'hui, on commence avec les ateliers dessin et donc l'inauguration de la présence de la cellule dessin de Kajian. Donc, tu peux me présenter l'atelier, comment ça se passe? Donc, alors, l'atelier. Oui, comment ça se passe alors? Dis-moi. Aujourd'hui c'est l'atelier Chibi. Oui. Donc, que font les personnes? Dis-moi, explique-moi. Les personnes, en fait, suivent un petit cours sur les Chibi. Comment les dessiner, tout ça. Tout ça pour créer des goodies, des marque-pages qu'ils pourront emporter chez eux. Voilà. C'est pas ça. Peux-tu rappeler l'adresse de ton site, s'il te plaît? Alors, c'est Google. Oui. Google Kajian. Kajian. Voilà, K-A-J-I-A-N. Voilà. C'est tout simple. Merci bien. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ouh, c'est du lourd tout ça. À l'approvisionnement avant tout. Oui.